François! Hey, au pire, êtes-vous terme! Come on, man, j'ai 22 ans! Ben, tu vas te geler les doigts, comme le voisin! Il s'est gelé les doigts! Quel voisin? Ben, celui qui s'est gelé les doigts! Elle est obligée de porter des mitaines, même dans la maison! Laisse faire! Je t'avais tricoté des mitaines! Sorti sans mes mitaines, je me sentais libre encore un. Je peux-tu vous aider? Vite! Il va me crever entre les mains! Mais qu'est-ce que je peux faire? Il va me falloir des mitaines. Pourquoi? Ben, pour le sauver. Oublie pas de mettre tes mitaines. Me prêterais-tu le ketchup? Une petite game? Je t'en avais tricoté. Tricoté? Ben, des mitaines? Hein? Je sais où je peux en trouver! Hey! T'aurais dû écouter ta mère! Hey, man, finalement, j'en ai besoin des mitaines! Trop tard! Je les ai détricotés. Ah! Ma mère vient de tomber dans la neige! J'ai pas pu apporter les mitaines. C'est terminé. C'est correct! Je l'ai craché, mon foulard! Monsieur Crache-Foulard! Ça a l'air que la gorge pleine de laine. Crache les foulards, ça va falloir la peine. Pareil, ça écoute pour ses. Monsieur Crache-Foulard. Monsieur Crache-Foulard, as-tu peur de la mort? Monsieur Crache-Foulard, tu as gaffé encore. Quand il mange trop, il faut mettre des foulards. Dans une vidéo, il crache un foulard. La nuit dans le coin, pour le foulard. Monsieur Crache-Foulard. Un kiwi. What?